Bah, charge du PQ. Mais pourquoi faire? Eh bah, ben, on part en bateau. Ah bon? Allez. Non, attends, attends, attends. Je passe devant, je vais. Cette minute chrono aujourd'hui vous amène sur l'eau à la rencontre de Loca Boat. Nous sommes en présence de Marianne qui donc gère le Loca Boat de Latte. Bonjour Marianne. Bonjour Nancy. Dites-moi, alors Loca Boat existe depuis combien de temps? À Latte, nous sommes en 1995, à savoir qu'il y a 42 ans, nous avons commencé à Aigues-Mortes. D'accord, alors vous avez un concept très sympa, qui sont les pénichettes, et c'est une marque déposée, c'est ça? C'est exact, nous avons environ 400 bateaux en France, dont 93 en Occitanie, dans quatre endroits différents, à Bram, à Négra, Argens-Minervois, donc ceux-là, ils sont sur le canal de Midi, et nous sommes à Latte. On peut s'en servir sans permis. Et effectivement, sans permis, parce qu'on va vous apprendre à vous en servir. D'accord, donc il faut savoir que vous avez une formation d'une à deux heures avec Loca Boat pour pouvoir vous servir des pénichettes. Quel est le prix, on va dire, d'appel pour louer une pénichette? Alors nous avons des bateaux donc, pour deux personnes et ça peut aller jusqu'à 12 personnes. Donc des pénichettes de 12 personnes, il y a 4 cabines, on peut être à 3 par cabine. Et le prix, évidemment, pour en deux personnes n'est pas le même que pour en 12 personnes. Donc ça va de environ 400 euros pour le week-end à 1200 euros pour le week-end pour le grand bateau. Allez, maintenant, je vous amène à bord d'une pénichette. Alors, ici, il y a la cuisine avec une banquette qui peut se transformer en lit de deux places. Hein. C'est un lit 190, c'est ça? C'est un lit en 2 mètres sur 140. D'accord. Donc après... Si on continue ici, il y a un autre lit, et sachant que c'est une pénichette pour deux ou quatre personnes. Ah, il se conduit en joystick. Voilà, il peut se déplacer sur le côté, droite, à gauche, en avant, vers la droite. Enfin, c'est très très facile à manœuvrer. Si on tient comme ça, on peut le faire tourner sur son axe. Donc c'est vraiment une innovation au niveau de la navigation. C'est comme un jeu vidéo. Tu peux pas aller plus vite? Non, là je suis à fond, sinon après tu pédales. On peut pas aller plus vite? Non, non, on peut pas, sinon tu remplaces le hamster dans la boîte là, tu pédales. Ouais, mais quand même on peut pas aller plus vite. Non, on peut pas aller plus vite. Non. Donc Cédric, tu conduis le bateau, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Oui. Et c'est bien d'avoir un bateau, non? C'est plaisant, oui. C'est le plaisir d'être sur l'eau, de naviguer, de s'arrêter où on veut. C'est vraiment un plaisir, oui. Est-ce que tu arrives à choper des meufs avec? Ça... Je peux louer le bateau avec des copines ou pas? Ah, bien sûr, oui. Il vaut mieux même plus de filles que de garçons. Hein, ouais, mais est-ce que tu les fournis? Ah, c'est une option, ça. Il faut payer un peu plus pour avoir des filles. Hein. Parce que non, mais j'ai vu à Loca Boat, vous avez aussi de l'alcool, et moi, je voudrais bien vous prendre, je sais pas, 15 litres de champagne, c'est possible, pour les meufs? Bah oui, c'est possible. Oui, c'est des vacances, hein, il faut profiter. Du coup, il n'y a pas de contrôle d'alcoolémie, ici? Non, à moins qu'il y ait un accident, et là, bon... Ouais, mais j'ai vu, c'est limité à 6 km à l'heure, un accident à 6 km à l'heure, c'est possible? Tout est possible, hein, oui. Du coup, s'il y a une copine à moi qui vient, mais qui malencontreusement, bah, elle tombe à la flotte, qui c'est qui est responsable? Ah, bonne question. C'est elle, hein. c'est elle, d'accord. Mais du coup, moi, si par exemple, mettons, c'est un exemple, si je prends le bateau,
je m'en vais et je reviens pas. Par exemple, je vais en Colombie chercher de la farine de qualité. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous serez recherché, hein, je pense. Hein. Oui, non, mais l'Ocabot. Non, ça va. Je peux aller en Colombie, revenir, tranquille. C'est pas fait pour aller en mer non plus, donc... Ah, là je vois qu'on arrive près d'une écluse, Cédric, et je me disais, tu sais, des fois, le bateau, quand il est à quai, on balance les cordages et on... c'est pour les entourer autour de quoi ? Autour des bites d'amarrage. Des bites, c'est bien ce que je pensais. Toujours ce rapport avec les meufs, le bateau. Cédric, je ne suis pas fier de toi. Ah. Mais tu as toujours pensé à ça, c'est quand même... Enfin, voilà. Et donc là, on a passé l'écluse alors ? Oui, vous avez passé la troisième. Attends, tu peux te pousser s'il te plaît deux secondes ? Je veux qu'on... Non, en fait, c'est nul, tu peux revenir s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Allez, dis-moi, Nancy, tu sais quelle est la différence entre une Anciero, une Abrivado et une Bandido ? Bah non. Eh ben moi non plus, mais je crois qu'il faudrait demander à un type qui s'occupe des taureaux. Et une maladière ? Eh ben, c'est bien ce que j'ai dit. Ah oui, mais j'en connais une. Ah ben parfait. Par contre, on prend ta voiture parce qu'il me reste que 10 points sur mon permis. Allez, ça roule.